Claude, j'envoie une petite vidéo là pour la chaîne. Donc ça en fera une deuxième la récente sur YouTube. Donc salut les youtubeurs et youtubeuses, et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner. Voilà, donc oui, bah, j'essaie de retrouver le nom du salon où je suis allé samedi avec Jean-Pierre, hein. C'était le salon radio amateur des Deux-Sèvres, ARDS. Et c'est là où j'ai trouvé la fameuse antenne, là, la W3HH, hein, en filaire, là, qui fait 3 mégas à 30 MHz, ça supporte 800 watts, d'où l'échange du poste contre cette antenne. Voilà, après on verra si elle fait le boulot. Par contre, c'est dingue, hein, ces trous de mémoire. Je sais qu'il y a quelqu'un là qui était aussi que je connais, qui a été là-bas et qui a mis une vidéo sur YouTube. Par contre, faudrait que je la retrouve pour pouvoir te dire l'endroit où exactement où c'était. Hein. C'était pas loin de Niort, donc et pas loin de Saintes. C'était entre Niort et Saintes. Donc, je sais que ça faisait 160 km entre nous. Merde, attends. La cigarette est tombée. Hop là. Ouh là là. Alors en plus, avec la vidéo, c'est pas évident de faire les deux à la fois. Alors attends, je vais essayer de ramasser ça et de garder la vidéo en route. Bah, pardon pour les youtubeurs et youtubeuses, hein, c'est ça les fumeurs. Quand on fait deux choses, trois, plusieurs choses à la fois, il arrive des catastrophes. Voilà Claude, je te retourne. Attends, bouge pas, ça refait le point. J'essaie de refaire le point, ce qui n'est pas évident. Voilà. Bon, bah, je te retourne le micro, Claude. J'ai gardé un peu la patience un peu longtemps, et puis je salue les SWL éventuellement derrière. 14 uniformes Foxtrot 123 pour 14 Bravo Charlie. Attention Claude, est-ce que tu as l'écoute? Oui, je suis toujours là, 14 Bravo Charlie, je côtoie, j'étais en train de chercher mes papiers, bon, j'ai tout bougé un petit peu de mon côté, là, en ce moment, j'ai tous les papiers, j'ai pas pris la vie, pas d'autres affaires, je ne trouve plus l'indicatif de Michel, oui. 39, 40, 14, 13, 38, 15, je suis au bout, parce que je continue à chercher les papiers de tout. J'ai tout brassé les papas, tout ça, j'ai tout enlevé, et puis là, Je suis un peu plus de la maison, 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 je suis un peu
parler de ma radio. C'est pour ça que d'ailleurs, hier soir, tu vois, dès que j'ai la caméra de chose, et que toi, la pluie avait tout de suite. Donc, je parle dans la. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde se pour le soir. Moi, je veux que tu sois là-bas. Voilà, en 40 minutes, la radio, là, enfin, de tout, un peu de quoi, que ce soit. Peut-être que ça chauffait, peut-être un défaut de la vente, je ne sais pas, donc le micro, peut-être qu'il est arrivé à avoir un petit coup de perte d'empération. Elle n'était pas trop mal, le voltage n'était pas trop mal, avec le vote de moins, quoi, c'est tout moins. Un petit vote de moins, bon, après quand elle se sent un peu loin en dessous, là, après ça arrive à ça va être assuré, et puis va avoir des alimentations, peut-être que ça. Et là, enfin, là, tu vois, c'est un peu le truc, quoi. Voilà, bon, ben, écoute, tu vois, il voit une vidéo, ça y est, ben, c'est coupé, non, là. Voilà, mais, pour ceux qui contrôlent, en fait, ils regardent la vidéo, là, bon, ben. Et on dit, après, ensuite, ils parlent vraiment bien, hein. Ah, oui, c'est sûr, hein. On ne fait pas de vidéo comme ça, là. Ça a effacé. Oh, super, je trouve ça. Faut pas dire que cette vidéo-là. Bon, bien. Et elle dit, bon, parce que pour moi, je fais des affaires à part le risque qui peut vous dire en ce moment-là. Enfin, pas de saison, hein, de toute façon, hein, pour s'y mettre en vrai. Bien, quand je suis parti, il y a un peu de dévain, il y a pas eu de rigueur, il n'y a pas eu la flotte, et puis il y a eu je suis parti quand même. Peut-être à la maison, tout le temps, un peu à l'ouvrant, pour moi, un peu trop. Moi, je me suis un petit peu hésité pour le coup, je crois. Mais ça va, je suis parti chez Michel Lebon, voilà. Je me pensais que vous avez mis ensemble à discuter, écouter de l'accordéon, voilà. Jusqu'à tout le temps, ça a été voilà. Et là, je vois, on a gagné, bien sûr, par la conclusion, c'est souvent un projet de nous. Et puis, en fait, voilà. Et lui, il avait acheté l'antenne. Ok, merci Claude, 14 bravo Charlie, 14 uniforme Foxtrot 123 qui reprend. Ouais, je vois que aussi tu t'occupes aussi un peu de la station aussi de ton côté. Moi là-bas, j'ai pas réussi à trouver mon bonheur là au niveau de l'antenne dont je te parlais là pour le 2 mètres et le 70 cm là, VHF, UHF. La GP9, hein, il n'y en avait pas. Donc version export. Donc on verra plus tard pour une commande à ce niveau-là, ce qui me permettrait de retirer peut-être deux antennes voire trois, puisque si j'utilise celle dont je t'ai parlé là, la W3HH en HF, elle pourrait éventuellement faire le boulot par rapport à l'antron. Après, comme je te l'ai dit, si elle est moins filtrée. Je risque d'avoir des soucis de QRM, comme tu connais l'endroit, à cause du pylône à 3 brins, voilà, haute tension. Donc ça, c'est vrai que c'est énervant, plus tu descends en basse fréquence, plus le QRM arrive.
Alors qu'avec l'Antron, je peux faire quand même de l'écoute sur le 3, le 7, le 14 sans aucun problème. Et si je mettais la filaire que j'avais avant, bah là j'ai du QRM à 9+, voire 8, et ça c'est vraiment gênant pour ce qui est du DX. Enfin bon, on verra bien si elle fait si celle-là fait le boulot. Voilà, donc j'essaierai sur le 950 qui est juste en dessous du 991 et puis on verra ce que ça donne. Voilà Claude, ben, je vais saluer les youtubeurs et youtubeuses. Là, ça fait 10 minutes 30 que la vidéo tourne. Donc je leur dis de ne pas hésiter à mettre un petit like, un petit pouce en l'air là s'ils aiment la vidéo et de s'abonner. Et puis je leur dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je te retourne le micro, Claude, pour les saluer. Et puis je vais mettre la vidéo en ligne. Donc elle va prendre à peu près 2h30, 3h vu le temps qu'on a mis à la discussion. Et je te reprends tout de suite là pour que tu les salues. Et après je coupe la vidéo et je l'envoie sur YouTube. Voilà Claude, retour micro, 14 uniforme Foxtrot 123 pour 14 Bravo Charlie. Ok, merci pour le micro, 14 Bravo Charlie qui se reprend par les autres, en écoute bien sûr, et qui transmet les bonnes vérités aux youtubeurs et youtubeuses. Alors je fais une excellente journée avec mon EDX, c'est sûr. Ah bah, WX c'est aigri. Ok Claude, bah, j'envoie la vidéo et je te reprends tout de suite après. À très bientôt les youtubeurs et youtubeuses. Bon DX pour ceux qui en font actuellement. Et à bientôt aussi pour d'autres personnes là s'ils viennent faire un petit tour en Charente-Maritime pour le PMR où on est assez actif aussi à ce niveau-là. Voilà, Claude, je te reprends tout de suite, j'envoie la vidéo. À tout de suite. Voilà, petite vidéo avec l'ami Claude. Qui se trouve du côté de Sainte, là, une cinquantaine de kilomètres, voire une soixantaine du QRA. Donc, merci encore à tous mes abonnés. Et je vous souhaite d'excellents contacts à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ici, c'était 14 uniforme Foxtrot 123 en bande HF, 14 FRS 3770 en bande PMR qui vous salue et qui vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.